Plus précieux que la musique, on danse mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens m'ont appelé par toi, Hydra. On veut que tu fasses les vidéos des pigeons blancs en français. Les vidéos que vous avez regardées, c'est ce qui est concerné sur les pigeons blancs. C'est un secret pour la chance et c'est un secret pour avoir l'argent. Et puis les gens m'ont demandé, le travail de la chance et le travail d'argent, est-ce que c'est différent? Le travail de la chance et le travail d'argent, c'est la même chose. Parce que si tu as fait le travail de la chance, tu vas voir, c'est Dieu qui va ouvrir tes portes et tu vas avoir la chance. Si tu as fait le travail d'argent aussi, tu vas voir, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que si tu as fait le travail de la chance, qu'en marchant, tu vas ramasser l'argent. Non, ce n'est pas comme ça. Si, ça ne veut pas dire que si tu as fait le travail de la chance, tu es couché, c'est l'argent qui va tomber sur toi. Ce n'est pas comme ça. Ou bien, c'est quelqu'un qui va venir te donner l'argent. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que tu comprends? Dieu a dit dans le Coran, « Kul lâché in sababan. » Dieu fait ces choses par sababou. Est-ce que vous comprenez? Voilà, le travail d'argent aussi, c'est comme ça. Si on te fait le travail d'argent, ça ne veut pas dire que c'est l'argent qui va tomber du ciel pour mettre dans ta poche. Ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire aussi que tu vas partir à ramasser l'argent. Ça ne veut pas dire aussi que quelqu'un qui va amener gros son pour te donner. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Les gens ont confondu vitesse et précipitation. Lorsque vitesse et précipitation, et les gens pensent que c'est la même chose, lorsque ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Et ce que nous, on est en train de donner, comme ça, ça c'est le travail de la chance pour que tu puisses avoir de la chance et puis tu peux avoir l'argent. Est-ce que vous comprenez? Les gens m'ont demandé, m'ont questionné partout. Hydra, vraiment, c'est vous aujourd'hui qu'on a confiance. Hydra, c'est vous aujourd'hui qu'on a confiance sur le travail maraboutage. Hydra, est-ce que tu as un secret vraiment qui est sûr? Si on a fait, Inch'Allah, grâce à Dieu, les portes seront ouvertes. Voilà, c'est ça que j'ai expliqué en Bamara dans l'autre vidéo. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Ce travail-là, bien sûr, j'ai ce travail. Est-ce que vous comprenez? J'ai ce secret. Ce secret, c'est le nom de la mère de Nabila Moussa. Paix et salut sur lui. Avec, il y a un dalilou, il y a un secret que les marabouts sont en train de travailler avec. Mais les marabouts ne savent pas que c'est un secret qui a été falsifié parce que c'est quelqu'un qui a volé. Depuis, il a volé le secret. Donc, ce secret a fait faillite. Beaucoup de marabouts ont trouvé. Ils sont en train de travailler avec ce secret qui est volé, qui a été falsifié. Par exemple, si moi j'ai un Koun Fayakoun dans mon quelque jet, je vais mettre ça dans mon cahier. Mais je vais falsifier quoi. Pour qu'en cas de cas, si quelqu'un vient prendre, il va pas trouver le vrai secret. Ce secret, on appelle Lamakana Djakata. Lamakana Djakata est un secret falsifié. C'est un secret qui a été volé, mais ils ne savent pas que ça a été falsifié. Lamakana Djakata n'est pas le vrai, vrai, vrai secret. C'est un secret qui est falsifié. Sinon, je vous le jure au nom du Coran, ce vrai secret-là, plus le nom de la Moussa, le nom de la mère de Moussa, là, les mimes qui sont à l'ana, là, tu vas mettre ça et tu vas accrocher à un pigeon. Et dans le Coran, on va mettre ça là-dedans, mettre en kawatim et devenir un petit talisman. On va accrocher à un pigeon, on lui laisse partir. Le jour dont le pigeon va mourir, tu vas voir tout ce que tu vas débuter, ça va débuter là, ça va approuver quoi. Est-ce que vous comprenez? Si tu mets dans ta main, dans n'importe quelle chose, ça va aller. Ta chance sera ouverte. Donc, tu vas avoir, jusque tu vas avoir beaucoup de chance et tu seras riche aussi. Est-ce que tu comprends? Ça ne veut pas dire seulement si on t'a fait ce travail-là directement, si le pigeon est mort seulement, c'est l'argent qui va tomber du sol pour toi. Ou bien c'est toi qui vas ramasser l'argent. Ou bien c'est quelqu'un qui va prendre un grand son pour venir te donner. Là, ce travail des pigeons blancs-là, au nom de Dieu, toutes les personnes sérieuses savent que ça, c'est vrai et juste. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais ce travail-là, on fait ça à 25 personnes par jour. 25 personnes par jour. Si 25 personnes est arrivé seulement, on arrête. Le lendemain aussi, on prend 25 personnes. Si ça, c'est fini, on arrête. Après, le lendemain aussi, on prend 25 personnes. Donc,
Et la manière dont on a trouvé dans, nos, dans la main de nos vieux, si tu veux qu'on te fasse ce travail-là, tu payes 125 000 francs, 25 francs. 125 000 francs, 25 francs. Il faut compter tes doigts. Je ne rentre pas dans, les, je ne rentre pas dans, dans le sujet. On dit 125 000 francs, 25 fois, 25. Est-ce que vous comprenez? Donc, et pour toute personne qui veut qu'on te fasse ce travail de la chance et de la richesse-là, pour les pigeons blancs-là, je pense que vous avez très bien compris maintenant en français. Donc, vous allez envoyer vocal sur WhatsApp, il ne faut pas m'appeler. Parce que j'ai trop d'appels. Si tu m'appelles, t'insistes, je ne prends pas. Envoie-moi vocal seulement. Et puis, si tu sais que tu ne vas pas faire le travail, il ne faut pas m'envoyer vocal. J'ai tout expliqué. Je n'ai rien à vous dire encore sur WhatsApp. Ah, Aïdra, vraiment, je veux que tu me fasses ce travail-là. Tu m'envoies ton nom, ton prénom. Et tu envoies 125 000 francs CFA sur mon numéro WhatsApp-là. C'est mon numéro Orange Monnaie. Ou bien, si tu veux que je te donne mes coordonnées, je t'envoie mes coordonnées. Tu peux envoyer l'argent sur Western Monogram Iria. Si tu as un correspondant aussi au Mali, tu peux l'appeler venir, on va faire ça devant lui. Si tu es loin, si tu n'as pas de correspondant, si tu veux qu'on te fait, on te fait calache. Est-ce que tu comprends? Ça ne veut pas dire que si on t'a fait le travail là, tu vois, comme les autres sont en train de vous tromper, quoi. Voici, on t'a fait ça seulement, tu vas avoir beaucoup d'argent, quelqu'un va venir te donner l'argent, ou bien tu vas ramasser l'argent, ou bien c'est l'argent qui va tomber du ciel. Là. Dieu a dit dans le Coran, « Kou la chaîne sababal ». Et cherchons les sababous, mais c'est les sababous qui fait que les choses seront ouvertes. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu as fait ce travail-là, si tu es dans ta commerce, tu vas voir ta commerce va bien réussir. Si tu es un vendeur de voitures, tu vas voir tes voitures seront bien vendues. Si tu es un commerçant, tu vas voir, tu vas réussir dans ta commerce. Si tu es un mécanicien, ta mécanique sera bien. Si tu es un entrepreneur, ton entreprise sera évoluée. Si tu es à l'extérieur, si tu travailles, tu n'as pas un bon boulot, Dieu va faire que tu vas avoir de bons boulots. Ou bien tu es à l'extérieur, rien ne va chez toi. Dans les temps, tout allait bien, mais maintenant tout est bloqué. Ça va débloquer la chance et tu vas avoir beaucoup de chance. Est-ce que vous comprenez? Toutes les choses que vous faites dans le monde entier, si ça ne marche pas, ça c'est un secret qui est très très lourd, que tout le monde connaît déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le secret des pigeons blancs. Donc toute personne qui veut faire ça, envoyez-moi vocal sur WhatsApp. Voici mon indicatif, je suis malien, je suis au Mali. Plus 223, ça c'est l'indicatif du Mali. Mon numéro même c'est 77 90 17 17. Plus 223, ça c'est l'indicatif du Mali. Mon numéro même c'est 77 90 17 17. Donc si tu sais que tu es partant directement, il faut me contacter sur WhatsApp. C'est des secrets qui sont très très sûrs. Qui sont très 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 sûrs. C'est pas des choses à s'amuser et c'est pas des choses à minimiser. Est-ce que vous comprenez? Donc on demande à Dieu, toutes les personnes qui peuvent réussir dans leur vie, que c'est eux qui regardent la vidéo là et c'est eux aussi qui peuvent nous dire de faire ce travail. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.